Bienvenue à l'écoute du balado « Me voici ». Dans ce balado, vous écouterez le récit de personnes qui ont voulu s'impliquer pour le mois national de sensibilisation au spina bifida et à l'hydrocéphalie. Ces personnes se sont donc portées volontaires pour nous expliquer à leur façon ce que représente le handicap dans leur vie. Nous leur avons demandé de nous parler de leur réalité, de ce qui leur tenait à cœur et si elles avaient un message à faire passer à la communauté. Dans ce balado, vous écouterez le témoignage de Marianne. Elle revient sur la naissance de son enfant, Nathalie, qui est née prématurément dans les années 1970. Elle apprend très vite que son enfant est atteint d'une hydrocéphalie congénitale. La nouvelle est terrible et semble l'anéantir. Mais Marianne a su s'entourer de personnes bienveillantes qui lui ont permis de lui redonner espoir quant à l'avenir de son enfant. Et malgré les inquiétudes et plusieurs opérations, elle constate que sa fille Nathalie a grandi quasiment comme les enfants de son âge et mène une vie jusqu'à aujourd'hui qu'elle a choisie. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Marianne et je viens témoigner pour le projet Balado en qualité de maman d'un enfant atteint d'une hydrocéphalie dans les années 70. Au début de l'année 1970, je prépare dans la joie la naissance de mon enfant qui doit arriver fin mai. Mais les aléas de la vie ont été tels que ma fille est née avec beaucoup d'avance. Elle est née prématurément après 6 mois et demi de grossesse. Transférée directement en service de prématuré, on lui a diagnostiqué très très rapidement une hydrocéphalie congénitale. Et comme me l'a annoncé clairement le chef de service de l'époque, votre fille aura une grosse tête et sera handicapée. Et là, le monde s'écroule. Personne n'est prêt à recevoir une telle nouvelle, aussi abrupte. Je suis complètement anéantie. Et là, dans le groupe des assistants ou des internes, il y en a un qui m'a pris à part et qui m'a dit « Madame, je vous promets de tout faire pour que votre fille s'en sorte correctement. » Et il a ponctionné son liquide céphalo-rachidien jusqu'à sa première opération qui a eu lieu à 3 mois. Cas d'école pour lui peut-être, mais pour nous, une chance, surtout pour Nathalie. Je le remercie. Les 3 premières années ont été un peu, je dois l'avouer, le parcours du combattant. En plus, il faut se mettre quand même à la place du contexte qui existait dans les débuts des années 1970. Donc, il y a eu bien sûr les opérations, les séjours en hôpital, avec des visites derrière les vitres, puisque nous n'avions pas le droit à l'époque de rentrer dans les chambres d'hôpitaux d'enfants. Tous les examens, les électroencéphalogrammes, où là aussi il fallait que je maintienne ma fille est réveillée pour passer son examen, puisqu'il fallait qu'elle dorme pendant les électros, et si elle ne dormait pas, c'était à refaire. Donc voilà, et puis tous les tests, divers tests psychomoteurs, la peur au ventre que sa valve ne fonctionne pas, bébé, que le périmètre crânien n'augmente pas, donc le mesurer régulièrement. Ensuite, il y avait aussi à bien distinguer les vomissements en G, qui voulait dire que sa valve ne fonctionnait pas, et puis les vomissements ou les petites maladies que pouvait avoir un bébé ou une petite fille. Mais malgré ça, Nathalie a été quand même un bébé
qui voulait qu'on s'occupe d'elle, donc avec les joies du bain, lui parler, les promenades. Et puis petite fille, eh bien, c'était une petite fille aussi pleine de vie. Donc elle a été confiée à une assistante maternelle, donc une nounou, comme on disait à l'époque, pendant que moi je travaillais. Et puis, eh ben, il y a eu tous les jeux avec ses cousines, jeux dans les bacs à sable, jeux dans les aires de jeu, vacances à la neige, vacances à la mer, tout ce que petite fille peut espérer vivre dans sa petite enfance. Nous sommes en 73 et Nathalie vient de souffler ses trois bougies. Elle a hâte d'aller à l'école, d'apprendre à écrire et surtout à lire les histoires que je lui raconte jusqu'à présent. Pour moi, c'est une appréhension. Parler aux professeurs de collège, aux maîtresses, leur dire un petit peu de faire attention. Je ne suis plus là pour la surveiller. Donc voilà, c'est un petit peu des doutes, mais finalement, on se rend compte que le personnel enseignant est très très proche, très attentif. Que les enfants, si vous leur expliquez, comprennent tout. Donc tout se passe finalement assez bien. Et puis Nathalie, malgré les opérations qu'elle a pu subir aussi, a mené une vie, on va dire, quasi normale. Scolarité, études brillantes, pratiques de sport tels que le ski, le patin à glace. Avec bien sûr l'aide quand même d'amis et de la famille. Elle a aussi pratiqué la musique, le théâtre. Donc fait des études brillantes, comme n'importe quel étudiant, sorti avec les copains et les copines. Voilà, et je parle toujours au passé, elle a pratiqué. Mais finalement, elle mène toujours une vie comme elle veut. Mais depuis déjà pas mal d'années, et comme beaucoup d'étudiants, Nathalie a pris son envol et gère sa vie et ses choix de vie comme elle le veut. J'arrive à la fin de mon témoignage. De mon vécu avec Nathalie ayant une hydrocéphalie. Il y aurait bien sûr beaucoup, beaucoup plus de choses à dire, mais je voulais simplement conseiller, enfin, si je peux donner un conseil aux parents qui vivent la même situation que moi, ne mettez pas votre enfant dans une boîte à coton, laissez-le vivre. Faites-lui faire pas mal d'activités. Je pense que ce sera le mieux. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Nathalie. Et peut-être vous aurez comme moi un compliment dont je suis assez fière, je vous l'avoue. Compliment fait par le personnel enseignant médical qui m'a dit un jour, Madame, vous avez une fille très très équilibrée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au revoir.